Attention, ce que vous allez voir dans un instant est extrêmement dangereux. Ne tentez pas de reproduire ce que vous allez voir. Sous peine de mort instantanée. Alors on est de retour, on va regarder tout de suite l'heure, l'heure de Londres, puisque la station est sur l'heure de Londres, 18h47, vendredi 4 septembre. J'ai laissé tourner un petit peu la station. Quelques problèmes de VPS, malheureusement. Et donc nous sommes sur le Gold. Je vais remonter un petit peu. Voilà, pardon pour la lenteur. Et vous voyez, on a un signal très pertinent. Alors, il est moins marqué que sur d'autres marchés. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une tendance très forte de baisse. Mais quand même, vous avez un arrêt parfait ici. Et je vais expliquer pourquoi. Vous avez cette vague avec ces rebonds. Donc, on peut les compter 1, 2, 3, 4, 5. Souvent, la fin de la cinquième vague, si vous suivez un peu la théorie d'Elliott, c'est un avertissement de fin. Bon, alors là, c'est moins vrai parce qu'on est quand même sur du 5 minutes. Donc les vagues d'Elliott, on peut les compter, mais c'est pas toujours très 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 pertinent. En revanche, vous avez un double bottom ici qui vous indique avec plus ou moins de certitude, puisque ça c'est surtout quelque chose que les chartistes regardent. J'ai rien contre les chartistes, mais c'est pas une science exacte. Donc ce double bottom indiquait une fin de mouvement temporaire. Donc peut-être jouer ici prudemment un long, encore que moi j'aime bien être toujours dans la tendance. Et ici, vous remarquez que les hauts sont de plus en plus bas. Mais ici, non, on a quand même... c'est comme une bizarrerie de cet indice. Hein. L'or parfois avance curieusement. Vous avez ce double bottom, donc on se dit on peut acheter. Vous avez ici ce petit marteau, je vais zoomer un tout petit peu, qui vous donne de la confiance. Vous vous dites ah mais je vais peut-être pouvoir garder mes longs. Vous voyez si vous étiez rentré par là. Vous avez votre long. Ça monte, vous dites ah bon ça c'est un petit repli mais ça va rester et puis bon là j'ai des marteaux donc je vais garder ce long. Oui mais non. Pourquoi ? Alors c'est vrai que les bas sont de plus en plus hauts, ça c'est vrai. Vous avez même ici par rapport à cette ligne si on ne compte pas la mèche, mais moi je la compte quand même. C'est vrai que ce bas est plus haut que celui est plus haut que celui-ci. Donc une indication de hausse, mais une fausse indication. Et nous, on avait indiqué une baisse à l'avance. Voilà ce que vous pouvez faire vous aussi avec nos signaux, c'est-à-dire avoir la possibilité de ne pas être tout le temps sur les marchés, de ne pas être obligé de surveiller en permanence tout ce qui se passe, d'être épuisé. Parce que rester, moi je l'ai fait des années et des années de rester devant des écrans. Au bout d'un moment, on ne sait plus, on voit plus rien, on comprend plus ce qui se passe. Donc le mieux, c'est d'être frais, d'arriver. Vous avez un signal à telle heure, vous regardez ce qui se passe un peu avant. Sur la plupart des marchés, vous avez la polarité et vous rentrez. Vous rentrez avec un stop qui est pas cher. J'ai d'autres vidéos, vous pouvez regarder sur les stops justement. On va peut-être mettre un lien. Un lien va s'afficher. Vous pourrez regarder aussi des techniques qui vous permettent d'utiliser les stops. Donc là, vous auriez pu utiliser un stop pas cher. Vous voyez qu'on n'a jamais eu un haut plus haut. On n'est jamais retourné voir les plus hauts, je veux dire. Donc vous pouviez rentrer ici en position à la vente, sans prendre de risque, et voilà, et je dirais, il suffisait d'après aller aux champignons, vous voyez, quand même c'était une belle baisse. Voilà, donc si vous aussi souhaitez tester tous nos signaux, c'est absolument gratuitement, vous avez un bouton qui s'affiche, ou dans la description de la vidéo, si vous êtes sur Facebook, vous avez un lien qui va vous permettre en un clic de recevoir tous nos signaux sur le crude oil, le gold, l'euro dollar et le DAX, et bientôt le e-mini. Voilà,
pendant une semaine. Donc je vous engage vraiment à tester. C'est vraiment un autre monde qui s'ouvre à vous. Plus jamais vous ne serez obligé de rester devant vos écrans pendant des heures. Voilà, je vous souhaite de bons trades et à bientôt.